Et Franck Passy qui arrive en plateau, il nous rejoint l'entraîneur du soir sur le banc lyonnais en l'absence de Laurent Blanc, des oreillettes ou pas, hein, mais bon, on lui met des oreillettes pour être sûr vraiment qu'il nous oui, entend bien. Par rapport à ce protège, je crois qu'il faut laisser bien clair que la colère c'est contre les dirigeants, je pense. Hein. Oui. C'est pas vraiment avec les joueurs. Les joueurs ils font leur boulot sur le terrain. Oui, le mécontentement il est sur les hautes sphères effectivement du club. On parle de restructuration, c'est ce qui est demandé par les supporters. Le voici, Franck Passy avec nous en plateau ce soir. Bonsoir Franck, bonsoir, merci d'être là. Tenez le micro, attention c'est froid. Félicitations, bravo, bravo. Merci. Gros match, grosse victoire. Match référence ou pas cette saison en Ligue 1? Oui, déjà mercredi contre Lille c'était un match référence, mais là je crois que ce soir on a, même si on a rencontré une belle équipe, sincèrement depuis qu'on a débuté ici à l'OL. Je crois que c'est la meilleure équipe qu'on ait rencontrée. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Mais bon, on a su faire le dos rond, on a su bien défendre tous ensemble. Et puis on a eu quand même pas mal d'occasions en deuxième mi-temps. On aurait peut-être pu terminer avec un score meilleur pour nous. Il y a eu des balles de 3-1, hein, effectivement. Je voulais discuter avec ce monsieur. Le système. Système de jeu. Système. Le changement, parce que ça marchait en 4-4 de losange. Et là, c'est un 3. Oui, c'est un 3-4-3, c'est un 5-3-2, 5-2-1-2, oui c'est un système évolutif. On a changé par rapport cette déjà, équipe de Lens. Oui, l'équipe de Lens, et puis aussi le nombre de matchs qu'on a joué là en peu de temps, ouais. On avait besoin de mettre un petit peu de 109. Mais le changement c'était pour bloquer surtout Axe avec Fofana, qui est un joueur qui se projette rapide vers l'avant, en mettant Lovren comme le libéraux pour gérer les deux jeunes derrière. Oui, ce cas c'est que c'est une équipe, il faut arriver à la mener sur les côtés pour pouvoir compenser la supériorité numérique qu'ils amènent avec les deux joueurs qui sont derrière l'attaquant, qui décrochent énormément et qui créent des problèmes au milieu de terrain. Donc il faut arriver à les bloquer sur les côtés. On ne l'a pas fait tout le temps, mais on y est quand même pas mal arrivé, ce qui nous a permis d'être moins attaqué. Et puis Franck, ce soir, il y a à nouveau Ryan Cherki, buteur, passeur décisif. On a tous dit qu'il avait fait un match génial. Vous diriez qu'il donne quel pourcentage de son talent en ce moment ? Offensivement, il donne 100%. Ouais. Hein, c'est un joueur qui est très important pour l'équipe. Mais moi, j'ai envie de mettre l'accent un petit peu aussi sur les autres, hein, parce que défensivement, il faut être là. Et il y a des joueurs qui courent énormément et qui travaillent énormément au milieu de terrain pour essayer de compenser des fois le manque défensif de Ryan. Donc on utilise les qualités de chacun des joueurs. Et c'est ce qui permet que l'équipe elle fonctionne comme il faut. Il a bien que deux poumons, Maxence Cacré, on est d'accord. Hein. Il n'y en a que deux. C'était monstrueux encore. On lui en greffe un autre. Incroyable, même en fin de match, c'est lui qui se projetait. Maxence, il y a Corentin, il y a Johan quand il est sur le terrain. Bon, plus tous les autres, hein, je veux dire. Les défenseurs aujourd'hui ont été. Le travail défensif, c'était vraiment important. Tout le monde a bossé, il y avait une solidarité énorme, hein, je veux dire. Solidarité, puis la conquête du ballon dans les airs, je veux dire, on a vu nos défenseurs très, très costauds aussi. Ok, je retiens le message. Naturellement, on va parler de Cherki, mais il y a eu une abnégation collective défensive ce soir importante à Lyon. Deux petites questions avant de vous libérer, Franck. Des nouvelles d'Alex Lacazette d'abord ? Alex, il ressent un petit truc derrière la cuisse. On ne sait pas encore. Bien sûr, il va falloir attendre les examens. Mais bon, on espère que ce ne soit pas trop grave. Ok. Et puis, des nouvelles de Laurent Blanc, s'il vous plaît. On a appris ça tout à l'heure avant le match. Absent ce soir, vous avez pallié cette absence. Qu'est-ce qui se passe? Comment va-t-il? Mais il est encore un petit peu souffrant. Donc voilà, il a quelques jours de repos. On espère le récupérer le plus rapidement possible. Ok. Voilà. Merci. Merci, coach. Avec plaisir. Coup, merci d'être venu nous voir, Franck. Merci. Sur le plateau Prime Vidéo ce soir. Félicitations. Merci. Belle victoire de l'OL ce soir face à Lens.